Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle vidéo. Alors, ça va être un petit tuto rapide pour faire des palmiers maison. Quoi de mieux que manger du fait maison? Vous allez voir, c'est une recette qui est très très simple et qu'il vous faut seulement juste deux ingrédients. Donc, pour cela, il vous faudra une pâte feuilletée. Moi, je vais la faire avec une pâte feuilletée déjà préparée, mais vous pouvez bien évidemment le faire avec une pâte feuilletée maison. Si la recette d'une pâte feuilletée maison prête en 10 minutes, oui, en 10 minutes, vous avez bien entendu. Je vous invite à regarder en bas dans mes vidéos la vidéo de la galette des rois avec la recette de la pâte feuilletée fait maison. Sinon, pour cela, il vous fera une pâte feuilletée. Donc, moi, j'ai pris feuilletée au beurre frais. Donc, cette marque-là, je trouve qu'elle est très, très bien. Et après, il vous faudra tout simplement du sucre. Donc, c'est parti pour ce petit tuto de palmier maison. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est que vous allez mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Une fois que vous avez déplié votre pâte, on va venir tout simplement mettre notre sucre. Hop, donc à l'aide de la main. Moi, je mets du sucre blanc, mais bien évidemment, vous pouvez mettre du sucre roux si vous préférez. Donc, vous en mettez généreusement. Là, nous allons venir plier. Donc, vous allez rabattre sur le milieu, les deux côtés, comme ceci. Pareil, vous allez revenir saupoudrer de sucre. Comme ceci. Vous allez revenir rabattre encore une fois au milieu. Vous allez voir que c'est très très simple à faire. Vous pouvez donner ça à vos enfants pour le faire également. Très très facile. Et voilà, vous rabattez une fois de plus. Donc une fois arrivé à cette étape, on va venir. Donc là, vous vous retrouvez avec le boudin et on va venir couper des tranches. Donc on va couper. Et je vous montre là la découpe. Donc voilà, après à la découpe, vous trouvez. S'ils sont un petit peu collés, c'est pas grave, vous inquiétez pas, à la cuisson, ça va se former. Vous mettez sur une plaque, vous espacez bien parce que ça va gonfler légèrement et vous faites ça ainsi de suite. Donc là, je vais mettre cette première tournée au four à 180 degrés pour 20 minutes. À vous après de vérifier votre four. Votre four, car tous les fours ne chauffent pas de la même manière. C'est parti pour la cuisson. Voilà le résultat. Alors là, il y a des plus petits, des plus gros. Plus vous faites du pliage et plus ils auront ce feuilletage. Donc voici le résultat. Au bout de 20 minutes de cuisson, vous n'avez plus qu'à déguster et à conserver dans une boîte en métal ou hermétique. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Un petit commentaire et un pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.